j'avais mes valises et je rentrais et on me dit Annick, et je me dis très bizarre, et je me dis ah mais oui c'est vrai, c'est le personnage, enfin c'est le rôle quoi, et ça me fait très bizarre qu'on m'appelle encore Annick aujourd'hui. Ça me gêne quand on m'appelle Annick. Pourquoi? Mais parce que c'est pas, je suis pas Annick. En fait, j'avais vu une fois une interview sur Click que j'avais adoré, des deux acteurs principaux de Gomorrah, et ils disaient que c'était terrible pour eux parce que quand ils allaient tourner à Naples dans les cités, il y avait vraiment des gens qui venaient leur dire est-ce que tu peux trouver un boulot pour ma fille, ou vraiment en faisant littéralement, en confondant le truc de la mafia et de la vraie vie quoi. Les gens me parlent comme si j'étais Annick, et du coup ils font un peu le truc de je suis une babosse, ils peuvent me demander ce qu'ils veulent, ils me prennent en photo, ils me demandent pas. Et ça, c'est vraiment très étrange pour moi qui suis panique, quoi. Et donc, oui, ça a changé quand même mon rapport à l'anonymat. Ouais, c'est ça. En plus, je m'étais quand même tapé un perso qui était censé être un peu dégueulasse. Parce que moi, j'ai pas du tout de mal à être en pyjama et à pas être maquillée. Ouais. Mais là, d'un coup, je me disais, oh là là, c'est chiant, je vais sortir. Puis vraiment, les gens vont se dire, ah non, mais dans la vie, c'est vraiment un nick, quoi. Elle est vraiment pas maquillée, elle est vraiment dégueulasse. Ouais.